pouvez prendre place pour le début de cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à cette table ronde, même si elle est rectangulaire aujourd'hui, mais le principe reste le même. On présentera un projet qui a commencé à prendre forme il y a un peu plus d'un an avec le soutien de la Commission européenne et qui va bientôt voir le jour de façon publique. Un projet baptisé De facto, alors pour celles et ceux qui n'ont pas fait de latin, qui ont des lointains souvenirs de facto, j'ai vérifié, hein, ça veut dire tout simplement de fait, en réalité, une réalité qui est de plus en plus mise à l'épreuve de croyances, d'opinions. On va donc parler de désinformation et des stratégies pour tenter de limiter ce phénomène dans le débat public. Mais avant d'entamer la discussion avec nos invités, je vais donner la parole à Marie-Caroline Missire pour quelques mots d'introduction. Marie-Caroline Missire, vous êtes la directrice générale du réseau Canopé. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous avez gardé le masque pour parler? C'est plus prudent. Merci pour cette introduction, chère Mélie. Alors, je suis directrice générale du réseau Canopé. Qui a beaucoup de chance, puisqu'au sein du réseau Canopé, nous avons un service que vous connaissez tous, qui est le CLEMI, représenté par Virginie Sassoon, un des partenaires du projet De facto, qui va vous être présenté aux côtés de l'AFP et du Media Lab de Sciences Po. Le CLEMI, c'est un service vital pour la démocratie, d'éducation aux médias et à l'information. J'y reviendrai. Je voudrais d'abord faire un petit détour, si vous me le permettez, pour introduire cette discussion. Puisqu'il y a à peu près un an, l'article du New York Times est sorti, qui est lancé par des graphistes du New York Times et son rédacteur en chef, Jeremy White. Il s'était employé avec son adjointe à développer un algorithme, une intelligence artificielle propre au journal, pour créer des visages. Quand vous voyez ces visages, alors c'est dommage qu'on n'a pas de... pas projeté en direct, mais vraiment, je vous invite à regarder ce que ça donne. Ces visages sont complètement faux. Des milliers de visages faux. Et le résultat est absolument saisissant. C'est-à-dire que rien ne nous permet de distinguer le caractère de toutes pièces de ces visages. Mais pourquoi les journalistes du New York Times ont fait ça? Pas simplement pour nous amuser, nous étonner, nous faire peur, pour nous dire que les fake news c'est une réalité, mais pour dire que leur intelligence artificielle n'était pas forcément très au point. Et que ce qu'ils avaient réussi à démontrer à leurs lecteurs, c'est que ces visages, aussi faux soient-ils, nous étions en capacité, nous lecteurs, nous spectateurs, de détecter en quoi ils étaient faux. Pourquoi? Parce que cette intelligence artificielle, par exemple, elle n'était pas capable de mettre les deux mêmes boucles d'oreilles sur le visage d'une femme, par exemple. N'était pas capable de retraduire nos petits défauts, c'est-à-dire des yeux qui ne sont pas parfaitement alignés. N'était pas capable de faire des fonds de photos différents animés. Autant de petits détails absolument capitaux qui permettent à l'humain, au lecteur, de ne pas se faire prendre dans cette fake news et d'être capable d'identifier ce qui va distinguer un vrai visage d'un faux visage. Donc vous m'avez compris, voilà un exemple absolument incroyable de la façon dont le journalisme, la science, la maîtrise de l'intelligence artificielle, la maîtrise du numérique et la capacité de diffusion formidable du New York Times a pu mettre toutes ces compétences ensemble pour nous montrer qu'ensemble, on peut répondre à ce danger démocratique absolu qui est remarquable. C'est aussi la démarche qui anime le projet De facto, c'est-à-dire de réunir la recherche, une agence de rendement de l'AFP, un service et un opérateur de l'éducation aux médias, de l'éducation nationale pour sa capacité de diffusion et de formation, et puis le Media Lab de Sciences Po, c'est-à-dire le ministère de la recherche sur l'information, au service d'un enjeu démocratique capital,
détecter les fake news, parce que nous en sommes capables, nous humains, même à la plus aboutie des intelligences artificielles. Encore faut-il être formé, initié à ça, et c'est tout l'enjeu de ce débat. Donc je vous laisse en parler bien mieux que je ne l'ai fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Caroline. On retrouvera en clôture de cette table ronde. Alors, dans les rédactions aujourd'hui, hein, la question de la lutte contre les fausses informations, de la certification de l'information est devenue un enjeu majeur, un enjeu même de crédibilité vis-à-vis des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, avec depuis quelques années la création de services spécifiquement dédiés à la vérification du contenu qui circule sur les réseaux, de propos exprimés par des personnalités publiques. On peut citer, alors la liste n'est pas exhaustive, mais les décodeurs du Monde, Check News avec Libération, l'AFP, avec Factuel, France Info et son agence interne, et la crise sanitaire que l'on vit actuellement montre vraiment l'impérieuse nécessité de ce travail au vu de la malinformation qui nous arrive beaucoup d'une maladie assez nouvelle, hein, dont on parle depuis moins de deux ans, il faut le rappeler, où l'on apprend, où la communauté scientifique apprend en marchant, mais qui peut laisser les interstices à de nombreuses manipulations qui peuvent abuser les plus crédules, avec des images, des chiffres sortis de leur contexte pour soutenir un propos politique, des contre-vérités sur le plan scientifique, qui ne vous aura pas échappé également. Outre cette actualité sanitaire, il y aura également une présidentielle dans quelques mois et une campagne où les candidats rivaliseront et rivalisent déjà de propos ou propositions plus ou moins crédibles. Alors pour évoquer ce sujet cet après-midi, je vais donner la parole à plusieurs représentants d'organisations, toutes très différentes, mais qui, chacune à leur façon, prennent à bras-le-corps ces problématiques autour de la désinformation. Tout d'abord, l'agence France Presse, en référence, avec Christine Huagière qui va nous rejoindre dans quelques instants, directrice régionale Europe, mais également Tony Tessou, responsable du Media Lab au sein de. Avec nous également un autre directeur de Media Lab, mais cette fois-ci à Sciences Po, Dominique Cardon. Bonjour. Vous qui êtes professeur de sociologie. Enfin, à ma gauche, Virginie Sassoun, vous qui êtes directrice adjointe du CNI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information qui intervient dans le milieu scolaire. Alors vous le voyez, hein, ce sont des acteurs, comme l'a dit Marie-Caroline, issus de milieux très divers, les médias, la recherche, le milieu scolaire, mais c'est aussi ça l'originalité du projet De Facto. Vous allez travailler ensemble pour la branche française d'un projet européen dont l'objectif sera de créer, on peut le dire, un réseau d'acteurs, parce que l'idée, ce n'est pas de rester à trois, hein, mais d'agréger un ensemble d'acteurs engagés dans la détection, dans la lutte contre les phénomènes de désinformation. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à chacun d'entre vous, c'est pourquoi ? En fait, pourquoi vous vous êtes dit qu'il fallait vous regrouper ? Pourquoi sous cette forme ? Quels sont les constats que vous pouvez faire chacun dans votre domaine d'intervention, dans votre secteur, que vous avez établi et qui finalement vous ont amené dans ce projet ? Virginie, Dominique ? C'est Virginie, allez. Vous m'entendez ? Oui ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi on s'est engagé dans ce projet De Facto ? Il y avait déjà une évidence pour nous, c'est que la question de la désinformation, elle nous concerne tous. Et que les enjeux de l'éducation aux médias à l'information n'appartiennent pas qu'à l'école. Donc, pour nous, c'est un enjeu de société. Et depuis sa création, le CNI a dans sa mission l'objectif de faire le lien entre le monde de l'école et le monde des médias. La semaine de la presse et des médias dans l'école, qui mobilise chaque année 4 millions d'élèves, en est l'illustration la plus éclatante. Je peux dire, je le dis en regardant mes collègues qui organisent de la presse et qui sont dans la salle, et dire aussi que depuis 5 ans, on a la conviction que l'enjeu de l'éducation média à l'information, c'est aussi un enjeu de coéducation. Donc on adresse des ressources et des actions spécifiques aux familles. Donc ça, c'est le premier constat, c'est-à-dire, nous, on travaille déjà en lien avec des partenaires, donc la nature même du projet De Facto, de concevoir en fait la complémentarité des forces, la désinformation. On a la conviction qu'on ne peut pas réduire l'éducation aux médias à l'information, à la lutte contre la désinformation.
Je vais vous prendre un exemple très concret. Hier, j'ai été visiter l'expo Fake News, Art, Fiction, Mensonge. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est jusqu'en janvier 2022. Et Réseau Canopée et Clémy ont accompagné cette exposition qui se trouve à la Fondation EDF. J'étais avec des élèves de 3e de Villiers-le-Bel. On leur a demandé qu'est-ce qu'une fake news. Ils ont tout de suite su répondre et donner des exemples. On leur a demandé qu'est-ce qu'une information. Ben, ça a été beaucoup plus difficile. Or, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que s'informer, ça s'apprend. C'est un apprentissage. Et donc, pour nous, l'idée, c'est qu'il y a aussi une forme de panique, d'obsession contemporaine autour de la question de la désinformation, mais il ne faut jamais oublier que les fondamentaux de l'éducation média, c'est apprendre à s'informer. Et ça, je pense que d'un point de vue, je dirais quasiment philosophique, on partage cette conviction avec les partenaires du projet De Facto. Et enfin, le troisième constat qu'on a pu faire, c'est que c'est en faisant qu'on apprend. L'éducation média, c'est un apprentissage par le faire, et c'est une pédagogie active. Et le projet De Facto va nous permettre aussi de mettre en œuvre et de mettre en musique, en fait, en quelque sorte, cette pédagogie active que nous, on fait, on développe à travers les ressources que l'on propose aux enseignants, à travers, par exemple, un jeu que l'on a créé, le pôle studio du CLEMI, le jeu classe investigation, où les élèves sont dans la peau de journalistes, ils ont des sources, ils doivent produire une information. Et quoi de mieux que de fabriquer une information pour comprendre aussi son circuit de diffusion. Et puis enfin, c'est aussi, ça fait partie des missions du CLEMI, d'accompagner la création de médias, parce que, enfin, on apprend aussi à fabriquer l'information quand on participe à un média, soit un journal, une radio, une web télé dans le cadre des établissements scolaires. Et ça, c'est une mission phare aussi du CLEMI, puisque vous pouvez retrouver sur notre site le concours médiatique, mais aussi la carte des médias scolaires, où on recense l'information ne doit pas être réduite à ça, et aussi que c'est à travers des pédagogies actives où les citoyens, les familles, nous toutes, sont au centre du processus, donc redonner aussi de l'autonomie aux personnes. Merci Virginie, voilà le constat effectué du côté du CLEMI, du milieu scolaire. Alors du côté de la recherche, Dominique, quels sont vos constats? Alors d'abord, dire que du côté de la recherche donc de Sciences Po, on est très heureux de ce projet qui nous associe, journalistes, éducateurs et chercheurs. Et le constat qu'on fait sur la désinformation, ça a été dit tout de suite, c'est qu'évidemment il y a un enjeu démocratique, c'est la qualité de notre espace public qui est en question aujourd'hui. C'est une transformation qui vient de la grande révolution numérique et des nouveaux circuits de l'information qu'elle autorise. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on part déjà d'un travail qui a été, d'une certaine manière, le projet a pour ambition d'essayer de se projeter au-delà d'un certain nombre de constats que je vais faire là. C'est que la recherche a déjà beaucoup travaillé. En réalité, elle travaille beaucoup sur ces questions depuis 2016, l'élection de Donald Trump, qui a mobilisé comme ça récemment toute une série d'équipes de recherche dans le monde pour essayer de comprendre le Brexit, Donald Trump, Bolsonaro, ce qui s'était passé. Alors je voudrais dire, il y a trois choses qu'on sait, mais qu'on sait imparfaitement. C'est des choses qu'on voudrait évidemment approfondir. La première, c'est qu'on a un grand paradoxe en réalité. Dans les travaux de recherche, c'est que si on sépare l'offre de désinformation et la réception de la désinformation, on a deux types de constats différents. Quand on regarde la production, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit arriver des volumes absolument considérables de désinformation. Ils viennent de toutes sortes d'agences, d'officines, de robots, d'influences étrangères, d'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc on a beaucoup mesuré le fait qu'il y avait un volume considérable de production des informations. Quand on se met du côté de l'individu, de vous, de moi, et qu'on regarde ce qu'on appelle la diète informationnelle, c'est-à-dire quelles sont les informations auxquelles on est exposé tous les jours, et là il n'y a pas que le numérique, parce qu'il y a la radio et la télévision restent les principaux médias d'information dans nos sociétés, quoi qu'on en dise du numérique, on constate que la prévalence des
et on est moins inquiet d'une certaine manière. Les études américaines là-dessus montrent que ça correspond à 0,01% de l'information qu'on voit. Mais en même temps, il y a une série de phénomènes qui montrent que cette désinformation, elle se polarise sur des segments particuliers de la population et qu'évidemment, il y a un effet de cumul qui peut se jouer auprès de certaines populations. Et puis, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour dire, et là, je rejoins ce que vient de dire Virginie, c'est que ce débat entre il y a des gens crédules et il y a des gens rationnels n'est pas observé dans les recherches. En réalité, nous sommes tous à la fois crédules et rationnels. Et nous savons tous décoder l'information mieux que nous le pensons quand nous pensons que les autres s'enferment dans des bulles informationnelles ou se laissent désinformer ou rentrent dans des cycles de croyances très importants. Mais il y a toute une série de gammes nouvelles d'accès, de consommation à l'information qui sont liées à l'économie numérique, à la viralité, au volume considérable d'informations, qui fait qu'il est possible parfois de se laisser prendre dans les tourbillons informationnels que l'on ne contrôle pas très bien. Ce qui veut dire qu'il faut être très attentif à, et les enquêtes montrent que nous le sommes en réalité, et nous le sommes plus que nous le pensons, attentif à la qualité et à l'autorité des sources d'information et à veiller sur la. Il y a un deuxième grand constat de beaucoup de travaux sur la désinformation qui est de dire que la désinformation vient du haut. Alors, ça mériterait un long développement, mais on a souvent cette idée que le désinformateur, c'est quelqu'un qui est à la périphérie, qui est dans l'extrémisme politique, qui produit des énoncés sur des blogs obscurs qui ne sont pas des médias pas reconnus, et que tout d'un coup, beaucoup de gens viendraient s'agréger autour de thèmes qui auraient été lancés depuis la périphérie de l'espace public et puis contamineraient les esprits. En réalité, les résultats montrent qu'on a évidemment une production de désinformation très forte dans la périphérie des espaces de publication, mais elles n'acquièrent de la visibilité, elles ne vont entrer dans les consciences, elles ne vont rentrer dans le débat public, elles ne vont façonner des publics que si des acteurs, hommes politiques, grands médias à forte influence, alors on pourrait prendre le cas de Donald Trump et de Fox News, on pourrait prendre le cas du professeur Raoult, on pourrait prendre plein de cas. En réalité, les circuits de la désinformation séparent quelque chose d'horizontal où la périphérie vient conquérir le centre. Et le troisième thème qui est important dans nos discussions et dans les recherches, c'est que en réalité on est en train d'imaginer, ça va être au cœur de facto, beaucoup de dispositifs pour essayer de considérer que la qualité informationnelle du débat public, elle dépend de toute une série d'acteurs et de dispositifs. Évidemment des professionnels de l'information, évidemment d'une meilleure connaissance, et ça la recherche peut y aider, de la circulation et de la consommation des informations dans nos sociétés, mais on a aussi besoin d'avoir des publics qui s'engagent. Et c'est une des thématiques qu'a évoqué Virginie, mais qui va aussi être importante dans le facto, c'est que notre sentiment, en tout cas mon sentiment sur ces questions, c'est que si on appuie trop fort sur le bouton, il y a les rationnels et les crédules, on coupe les publics, on déchire le débat, on polarise le débat et en réalité on n'a plus de moyens d'émanciper les individus. Donc le web leur a donné cette nouvelle capacité de s'exprimer, de partager des informations, de fabriquer leur identité. Il faut aussi qu'ils puissent produire, contribuer à partager des informations dans un environnement numérique qui soit beaucoup plus sain. Et il y a plein de dispositifs qui nous y aident, je termine avec ça. Il y a évidemment le fact-check, on va en parler, qui est un des dispositifs importants. Mais il y a aussi toute une série de dispositifs qui relèvent par exemple du design des plateformes. Et là, on va faire des contributions de régulation par le design, de régulation des plateformes numériques auprès des autorités compétentes en France et en Europe. Mais aussi dans le design des plateformes, quand Twitter vous dit « Est-ce que vous avez bien lu cet article avant de le retweeter ?» Il y a 40% des gens qui ne partagent pas un article qu'ils n'ont pas lu. Donc on voit qu'il y a des petits dispositifs comme ça qui peuvent être pertinents. Voilà, je m'arrête là, on rediscutera du projet après. Le constat du CNI, le constat de Sciences Po par le biais de la recherche et le constat d'un média, l'agence France Presse, avec donc Christine Lagier qui vient de nous rejoindre. Dans votre périmètre, les constats que vous avez faits qui ont précédé justement à la mise en place de ce projet. Merci.
c'est pas grave. Et à la découverte, on fait des cours de fact-checking. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on le fait dans 80 pays, on le fait dans 25 langues. C'est une activité qu'on ne faisait pas il y a 5 ans, qui a commencé lors de la précédente élection présidentielle en 2017, et qui s'est développée énormément au cours des dernières années, parce que parallèlement, la désinformation s'est développée. Et donc, on pensait qu'il était de plus en plus utile pour des équipes de journalistes qui ne font que ça, qui sont experts, en fait, de cette activité de fact-checking que nous, on appelle investigation numérique, parce que ce sont de véritables enquêtes qu'on mène sur cette désinformation qui est postée un peu partout. Et donc, on a quand même un certain recul, on est dans beaucoup de pays. Donc on a pu observer des faits qui nous paraissent maintenant assez incontournables. C'est d'abord que même fake news va voyager, apparaître dans un pays, puis dans l'autre, etc. Donc je vais prendre un exemple réel. Hein. Par exemple, le fait qu'on pouvait soigner la Covid avec de l'eau chaude et une goutte de vinaigre. Donc cette désinformation-là, elle avait commencé à circuler au printemps 2020 et elle est apparue pour la première fois en Espagne, le 7 mars exactement. Puis on l'a vu surgir en Allemagne le 9, et elle a traversé la frontière et la Manche. Et elle s'est retrouvée en France et au UK le 16 du même mois. Ensuite, elle a pris 3 semaines de plus pour arriver jusqu'en Italie. Et elle a recommencé en Espagne vers la mi-avril. Donc vous voyez, pour nous, c'est un intérêt d'avoir un réseau qui est dans de multiples pays, parce que comme ça voyage, il faut que l'investigation qu'on a faite soit reprise, repose sur les mêmes éléments. On va pas dire dans un pays, c'est bon pour telle raison, et dans un autre pays, c'est bon pour d'autres raisons. Donc il y a une vraie cohérence en fait à être dans plein de pays. Et quand on voit qu'une information comme ça va être amenée à se déplacer, à voyager dans l'espace, on essaye de plus vite. Et on voit que, quand même, comme le disait Dominique, le nombre de partages décroît au fur et à mesure qu'on poste nos fact-checks. Donc on pense que c'est une vraie efficacité et que c'est essentiel justement pour éviter que ce voyage soit de plus en plus rapide et touche de plus en plus de pays. Alors, ça c'est le premier constat qu'on a fait. On en a fait un deuxième, qui est que la désinformation, elle voyage non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et si vous regardez, ne serait-ce que ce qu'on voyait il y a un siècle sur la rue Pascal Neuf, toutes les fake news qui ont pu être propagées à ce moment-là, mais vous allez retrouver des fake news, mais quasi équivalentes, c'est vraiment, c'en est surprenant. Non, ça n'existe pas, non, c'est une invention de nos gouvernements, etc. Donc vous allez retrouver les mêmes thématiques il y a un siècle. Donc l'ère numérique a changé beaucoup de choses dans le sens où l'information voyage, la désinformation voyage beaucoup plus vite sur de multiples supports, mais le complotisme existait déjà à cette époque-là, avait déjà une rhétorique bien claire, bien ancrée qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il y a ces deux aspects pour nous qui sont absolument essentiels. Donc quand on fait une investigation numérique, on pense à tout ça et on essaye de donner le plus de contexte possible pour que notre réponse en fait à la fake news soit très digne. Merci. Alors, les constats, c'est important, c'est bien. Les solutions, c'est encore mieux. Alors, de facto, je pense qu'on n'aura pas la prétention d'être la solution absolue. En tout cas, ça peut être l'une des solutions. On parle de projet pour l'instant, parce que dans quelques semaines, ce sera un peu plus concret avec une plateforme qui sera visible. Le sous-titre de cette table ronde, c'est pour l'écologie de l'information.
concrètement comment justement on peut mettre en œuvre cette écologie de l'information à travers de facto, Dominique. Voilà, c'est le moment de parler un peu plus de ce qui va après. Donc, c'est un projet qui est un réseau européen qui s'appelle EDMO, qui est destiné en fait à être une sorte de, d'agrégateur et de mise en réseau des différents acteurs européens qui s'occupent de la question de la désinformation, puisque comme l'a rappelé Christine, ces phénomènes de circulation sont internationaux. Et elle a initié des hubs nationaux, des projets nationaux ou linguistiques qui sont mis en place dans différents projets européens. L'AFP d'ailleurs est partie de plusieurs de ces projets. Le projet français s'appelle le FECTO. Il nous réunit l'AFP, le CLEMI, Sciences Po et une entreprise qui s'appelle XWiki. Et le 11 janvier va sortir la plateforme de notre projet. Cette plateforme, elle va être un lieu d'articulation dans l'esprit de ce qu'on vient d'essayer de faire partager. Et trois univers qui sont réunis dans le projet. D'abord, ça va être évidemment le plus visible et le principal, des fact-checks, et des fact-checks qui vont venir de l'AFP, mais l'AFP va aussi coordonner un réseau avec les autres fact-checkers français pour publier un ensemble de fact-checks venant de, je ne permets pas de tromper, des Surlinières, de France Info TV, de Libération, du Monde et d'autres fact-checkers de Madrid. Des travaux de recherche, c'est la même chose. À Sciences Po, nous allons coordonner en fait une série d'équipes de recherche et de laboratoires travaillant en France sur ces questions pour essayer de mettre en visibilité une série d'interprétations et d'analyses qu'on peut faire sur ces questions. Et puis, autour de l'éducation aux médias, avec le CLEMI évidemment au centre de ce réseau, toutes les associations, les groupements, les initiatives qui participent de l'éducation aux médias vont être mises en visibilité. Donc c'est en gros, j'ai dit très vite, mais c'est ça notre objectif, on va travailler comme ça pendant deux ans et demi, sur ces différentes questions. On a quelques principes, et je voudrais juste les dire le plus vite possible. Le premier, c'est, comme indiqué, de contribuer à voilà, nous donner des outils permettant à la fois d'aérer et de soutenir, aérer le débat public et de défendre une conception de l'information de qualité, de défendre l'idée qu'on a besoin d'être comme indiqué précédemment. La question de la diversité, elle est au cœur en fait de la fabrication du projet qu'on est en train d'essayer de faire. Chaque partenaire essaye voilà, de réunir les différents forces, acteurs, compétences, qualités du monde du journalisme, de l'éducation aux médias et de la recherche sur ces questions. Notre troisième idée centrale, et ça c'est évidemment important dans le débat sur la désinformation, parce qu'il est extraordinairement rugueux, parfois très polémique, extrêmement violent, c'est d'être indépendant à l'égard du pouvoir public et évidemment des organisations politiques. Et donc c'est d'essayer de réunir sur cette plateforme un travail qui est, et c'est pour ça qu'il est piloté par un organisme de recherche comme Sciences Po, d'être indépendant à l'égard des pouvoirs publics. Et puis, finir en disant que notre objectif, c'est de prendre aussi de la distance à l'égard du débat et c'est de lui donner une dimension internationale et européenne. Et ça, c'est la force du soutien de la Commission européenne dans ce projet. C'est qu'évidemment, au Benelux, dans les pays scandinaves, dans l'Europe de l'Est, en Italie, en Espagne, il y a les mêmes préoccupations qui se sont fait jour autour de la qualité du débat public. Et il y a les mêmes réseaux, types de réseaux d'acteurs qui sont en train de se constituer, ce qui va permettre à de facto de participer à cet environnement international dans la question de la réflexion, de l'analyse et de la lutte contre la désinformation. Merci Dominique. Alors, en attendant ce 11 janvier et la révélation de cette plateforme, en attendant, il y a déjà des outils qui existent et on va les découvrir, en tout cas quelques-uns, avec Denis Tessu, qui je rappelle, est responsable du Media Lab au sein de l'agence. Ça va peut-être même générer des questions au sein du public, donc n'hésitez pas à intervenir juste après son intervention.
Merci Muriline. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter un outil de vérification qu'on a développé dans plusieurs projets européens depuis plusieurs années. Ça fait 6 ans que je travaille dans des projets en tout technologique européens dans le domaine de l'information. Alors, je voulais vous montrer une autre vidéo. Elle est intéressante parce que celle-ci aussi a été beaucoup partagée sur les réseaux. Là, une intense lumière, puis une détonation. C'est très impressionnant comme ça. Alors, pour connaître l'origine de cette vidéo, je suis allée sur ce site, InVid. Il faut juste rentrer le lien ici de cette vidéo, l'URL. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, que cette vidéo a été postée pour la première fois sur YouTube en 2016, ce qui prouve bien que ce ne sont pas des dépôts spatiaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une météorite en Australie. C'est un phénomène très fréquent, sans gravité, selon les scientifiques. Merci beaucoup, Léla. Voilà comment le journal télévisé de France 2 a démystifié une fausse vidéo en utilisant notre outil. Alors cet outil, c'est pas un site, hein, c'est une extension de navigateur qui fonctionne dans le navigateur Chrome et dans tous les navigateurs qui sont apparentés à Chrome. Cette extension, elle a été développée donc dans un premier projet européen qui s'appelait InVid, qui a duré jusqu'à 2018. Et à partir de 2018, on a eu un deuxième projet européen qui s'appelle WeVerify, qu'on finit la semaine prochaine, on finit le 30 novembre. Dans ces projets européens, on a développé donc toute une série d'outils qui permettent de faciliter l'interprétation des contenus numériques et de vérifier si ces contenus numériques, notamment, n'ont pas été indexés par les principaux moteurs de recherche. Et s'il n'y a pas une antériorité, c'est-à-dire qu'on est capable de démontrer que ces contenus existaient auparavant, donc ne peuvent pas être en relation avec un événement qui vient de se produire. Cet outil est disponible gratuitement et librement sur le Chrome Store. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Il suffit de chercher InVid ou WeVerify dans le Chrome Store pour le récupérer. Et une fois installé dans votre navigateur, ça va permettre, donc vous avez un menu de lancement, il y a un menu de lancement où on peut ouvrir une salle de classe, une salle de cours directement, et ça donne accès à une partie de d'éducation aux médias qu'on a développée dans un autre projet européen qui s'appelait MeCheck, et qu'on continue à développer. Aujourd'hui, on a un deuxième projet européen qui s'appelle MeVerify, et bien sûr dans DeFacto, puisqu'on s'est allié avec le FEMI, donc on voudrait profiter du travail du CLEMI et de travailler avec le CLEMI pour faire un peu de co-création sur cet outil, essayer d'améliorer, d'avoir un retour des enseignants qui veulent l'utiliser. Dans cette salle de cours, donc ça c'est dans le premier projet européen qu'on a fait en particulier avec pour que les enseignants puissent s'approprier l'outil, avec des contenus pédagogiques, donc il y a des vidéos dedans. Il y a aussi un espace de démonstration avec un certain nombre de fausses images et de fausses vidéos, et avec vous voyez des boutons qui s'affichent en bas qui permettent d'aller faire la vérification soit par similarité d'image, soit l'analyse forensique des images, c'est juste l'analyse des altérations qu'on peut déceler avec certains filtres dans les images. Et un des points importants, c'est aussi l'utilisation simplement d'une utilisation un peu minimale mais qui est très efficace, d'utiliser le menu contextuel du plugin, c'est-à-dire que le plugin installe, enfin l'extension de navigateur va installer dans votre menu contextuel, c'est le clic droit que vous faites avec la souris sur une image, ça va installer des menus qui vont vous permettre d'aller envoyer cette image dans différents outils pour vérifier si cette image a été falsifiée ou pas. Et ça marche à la fois pour les photos et pour les vidéos. Donc cette image, par exemple, elle est connue, elle a été présentée sur les réseaux sociaux comme la cave de Romy-sous-Bois ou la cave de Sarcelles. En fin de compte, par similarité, on retrouve cette image qui est une image de 2015 qui a été prise à l'ombre devant un commissariat. On voit le signe du métro londonien qui est derrière. On voit le nom du commissariat en haut de l'image. Et cette image a été recoupée. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut changer complètement l'interprétation de cette image et démontrer complètement qu'elle est fausse, par similarité bien sûr. Alors, parfois, il y a un bémol au niveau, et ça fait partie de la partie recherche aussi dans le projet DeFacto. C'est le fait que les algorithmes sont parfois biaisés, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et vous avez l'exemple de Bing ici, qui, quand on envoie cette image sur Bing, continue à dire que c'est la cave de Romy-sous-Bois, alors que l'image est fausse. Et heureusement, évidemment, on a les fact-check. Donc ici, je vous montre le fact-check de l'AFP sur ce même sujet. Mais on a les fact-check, pour le même sujet, on a un fact-check du Monde aussi, et de Décodeur du Monde, et des observatoires de France 24.
Donc c'est cette combinaison entre les fact-checks, la capacité à aller plus loin dans l'interprétation des contenus numériques et aussi de faire de la recherche pour essayer de comprendre comment ces contenus se propagent et continuent à se propager même parfois quand ils ont été déjà domestifiés. Ça fait tout cet ensemble qu'on va amener dans le projet de facto, avec également des contenus qui sont fabriqués par les fact-checkers en termes de vidéos, de tutoriels, d'explications de comment faire pour un des derniers qu'on a fait. Je vous montre le résultat ici. On appelle ça Check GIF. C'est la vérification par le format GIF. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans un autre projet avec le Centre Borelli de mathématiques appliquées de l'ENS Paris-Saclay. Et on utilise un programme mathématique qui va superposer les deux images, les mettre exactement dans le même repère. Et à partir de là, on va fabriquer un GIF animé qui va démontrer la manipulation dans l'image. À la fois le recadrage de l'image avec toutes les parties qui ont été ôtées de l'image pour pas qu'on les identifie et pour qu'on puisse avoir des masqués. Et puis les parties qui ont été incrustées dans l'image. Il y a tout là, ici le logo de la cave évidemment, qui a été incrusté dans l'image, photoshopé. Et donc ce nouveau format, CheckGIF, permet de révéler la manipulation de l'image. Alors aujourd'hui, c'est des outils qui, dans notre outil global, InVideo Verify, sont réservés plutôt aux fact-checkers, aux chercheurs et aux journalistes. Mais s'il y a des projets pédagogiques dans ce domaine-là, c'est des choses qu'on peut ouvrir au cas par cas, il n'y a pas de problème. Et c'est en tout cas, visuellement, c'est très, 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 très parlant en termes de révélation de la manipulation de l'image. Et pour finir, juste vous dire que dans l'outil, il y a un mécanisme de feedback, alors désolé pour l'anglicisme, de retour utilisateur. Et ce mécanisme nous est très utile à nous, on n'a pas forcément beaucoup de retours, mais on a déjà, par exemple, des enseignants qui nous ont dit bah, « Attention, il y a un lien qui est cassé à tel endroit. » Donc à ce moment-là, ça nous alerte pour améliorer, pour faire en sorte que l'outil soit utilisable et que les enseignants ne restent pas sans pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un lien qui est cassé quelque part. Mais s'il y a des suggestions pour mettre d'autres vidéos, d'autres ressources pédagogiques ou tout type de contenu ou des suggestions pour améliorer l'outil, on est tout à fait preneur et c'est ce qu'on va faire avec l'UTMI, essayer de développer justement ce retour utilisateur et essayer de faire une sorte de co-création pour que cet espace de salle de cours soit le plus dynamique possible. Et en tout cas, il est complètement disponible en français et dans d'autres langues aussi, mais on va pour la France, pour l'Observatoire de Facto, on va vraiment essayer de doper cet espace et de faire en sorte qu'il soit utilisé largement dans la communauté du code. Merci beaucoup Denis pour cette présentation. On voit avec cet outil vraiment très ingénieux, distance, pas le cas pour le moment. Voilà, sachez que vous aurez quand même un espace pour vous exprimer. On peut, avec Virginie, voir dans quelle mesure le QMI, et notamment la question de l'éducation aux médias et à l'information, comment justement vous allez agir au sein de Facto. Alors, pour nous, l'écologie de l'information, ça nous invite à penser le lien entre une diversité de publics, les citoyens, et notre environnement informationnel. Aujourd'hui, on se soucie énormément de ce qu'on met dans son assiette, la traçabilité des aliments, la manière dont on les consomme. Par analogie, on pourrait penser que la manière dont on consomme les informations, dont on y accède, est tout aussi importante, puisqu'elle influe sur nos choix politiques, notre santé, la manière dont on va se forger des opinions. Et l'objectif pour nous, c'est de rendre les futurs citoyens, les citoyens, la diversité publique, acteurs dans leur environnement informationnel. La réponse de l'éducation média à l'information, c'est la transmission de connaissances et de compétences sur le monde médiatique et numérique. Alors, dans le cadre de Facto, on se réjouit énormément de pouvoir travailler avec le Media Lab de Sciences Po et toute l'équipe de pour mettre à disposition des enseignants aussi tous ces travaux de recherche qui vont être particulièrement riches. Également, évidemment, avec l'AFP pour produire des fact-check enrichis, pour produire aussi des actions pour mettre à disposition des enseignants. Mais la première phase que l'on va lancer, comme le disait Dominique Arnaud tout à l'heure, c'est de créer un espace
d'écoute. Aujourd'hui, on est dans une séquence médiatique qui est extrêmement polarisée. Il y a un sentiment d'asphyxie, en fait, des espaces de débat. Donc, l'idée, c'est de monter une grande consultation citoyenne avec la fondation Mai.org, où les citoyens, le public le plus large possible, pourra formuler des propositions sur la meilleure manière de s'informer, comment mieux s'informer. Donc ça, c'est la première, une des premières actions que l'on va monter. Aujourd'hui, comment toutes ces mutations, en fait, elles reposent les enjeux de la parentalité numérique et de mettre ces témoignages en miroir avec des analyses de chercheurs. Comprendre aussi comment les jeunes s'informent ou ne s'informent pas, où sont exposés à la désinformation, sont-ils plus vulnérables, surtout quand on sait que ce sont les personnes, je crois que c'est un article de Science qui a montré que c'était les personnes de plus de 65 ans les plus politisées qui partageaient le plus de fausses informations. Donc ça donne matière à la réflexion. La responsabilité aussi des médias grand public, Marie-Caroline Missir a cité une expérience menée par le New York Times dans l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge. Il y a deux artistes américains, un duo d'activistes qui a créé un faux New York Times qui n'annonce que des bonnes nouvelles. La fin de la guerre en Irak à l'époque, la gratuité des universités, etc. Pour nous, c'est important de dire aux élèves aussi, en fait, qu'est-ce que vous attendez des médias? Quelles bonnes nouvelles souhaiteriez-vous qu'ils annoncent? Donc, c'est aussi prendre ce temps de l'observation, de la réflexion, dans un espace, on pourrait dire, apaisé. Et enfin, évidemment, la mission du CLEMI en lien avec son réseau de coordonnateurs académiques, donc un réseau national, c'est de produire des ressources, des formations pour les enseignants, en lien évidemment avec tous les partenaires qui ont été cités, que sont les médias, les réseaux d'éducation populaire, les réseaux d'éducation prioritaire et évidemment les acteurs du consortium, en lien aussi évidemment avec les ateliers du réseau Canopée. Voilà. Merci Virginie, au revoir. Il y a peut-être une question, on va faire circuler le micro dans le public. Merci pour le début de la table ronde que vous animez. Moi, j'avais deux questions. La première question, en fait, je suis assez confronté aussi parfois, du coup, à des questions avec les gens avec qui j'échange, qui sont donc touchés par les fake news et ce genre de choses. Et du coup, vu que j'ai un comité d'experts, ou en tout cas des personnes qui travaillent sur le sujet, je voulais vous demander si vous aviez réussi à sortir des critères vraiment objectifs sur l'évaluation de fake news, pour que l'on puisse voilà, expliquer à des gens qui n'ont pas l'habitude voilà, de savoir traiter si une fake news en est vraiment une. Comprennent pas avoir un socle commun pour pouvoir échanger du coup, avec n'importe qui sur ce sujet-là, il faut d'abord un barème, il faut un critère. Et du coup, je voulais savoir si vous, dans vos expériences, parce que j'ai vu du coup par de facto ce que vous avez fait, vous avez réussi du coup à découper le côté technique, c'est-à-dire vous arrivez à montrer qu'ils rajoutent les allocs sur ce genre de choses, enfin vous arrivez à démontrer qu'ils rajoutent du contenu en plus pour on va dire, dissimuler la véritable information. Je voulais savoir si vous aviez vraiment trouvé des critères objectifs sur lesquels nous tous on pourrait s'appuyer. Pouvoir combattre ça, je sais. C'est une très bonne question. Hein. C'est tout l'objet du travail de fact-checking. Sur quels critères on peut s'appuyer pour démontrer que telle information, enfin, supposée information, est fausse? On revient vraiment à la base du journalisme, les faits et rien que les faits. Donc, c'est-à-dire, si cette photo, on vous dit que c'est Romain Sous-Bois et que, en fait, nous, on peut démontrer de façon sûre, parce qu'on va retrouver l'original, c'est-à-dire le fait de base que c'est une fausse photo, les faits nous disent que c'est une photo qui a été prise à Londres, et on peut le prouver parce qu'on a le contexte de publication, on a des éléments dans la photo qui nous prouvent qu'on parle bien de Londres, on ne parle pas de Romain Sous-Bois, etc. Donc ça, c'est le fait. Après, quand on vous dit que non, le vaccin provoque plus de morts qu'il ne sauve des vies, là, vous n'avez d'autres ressources que de vous appuyer sur les études épidémiologiques. Donc, on va chercher les études du pays où concerné par la désinformation. On dit à ce stade, voilà les éléments dont on dispose pour affirmer que ceci est faux. Et à chaque fois, on est obligé d'aller chercher
des faits, des études qui sont crédibles, qui viennent d'organismes crédibles. Alors, tout peut être contesté. Je veux dire, on vit aujourd'hui dans un monde où la ligne entre la réalité et la fiction n'est plus claire. Et donc, ça a été en plus porté par un certain nombre d'hommes et femmes politiques qui ont fait sauter cette barrière des faits, de la réalité, etc. Donc nous, notre travail, c'est sans cesse de ramener les choses eh bien, à tout ce qui a pu être prouvé, à tout ce qui a pu être étudié. C'est pour ça que c'est de la vraie investigation, parce qu'il faut aller chercher beaucoup de choses pour arriver à un article et changer les mots. Et à partir de là, on pense, et on le voit quand même dans le résultat sur les transferts, les likes et tout, qu'il y a une partie de la population qui nous croit. Après, ça pose, je vous dis, ça pose vraiment un problème encore plus gros, qui est, mais pourquoi il y a une partie de la population qui ne nous croit pas? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette population-là? Et ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir après ce que Denis a dit, et ça va être un des points majeurs de Defacto, c'est qu'on donne aux gens, et on va l'appeler comme ça, mais aussi des clés pour s'informer. On donne aux gens des outils pour se défendre contre la désinformation. Et dans la boîte à outils, vous allez trouver des choses de tous les niveaux possibles et imaginables. Des petites vidéos de 8 minutes, il y en aura 6 sur les points majeurs de désinformation que vous pouvez montrer à des élèves de 6e sans problème. Ils les comprendront très bien, même plus petits. Vous allez trouver des PowerPoints avec des choses assez simples aussi pour montrer comment on travaille. Et vous allez trouver des choses plus sophistiquées que le PNU, que Denis aussi auront mis dans le site. Donc la clé pour moi, elle est là. C'est comment apprendre aux gens à se défendre contre ces attaques, ce sont des attaques quand même, contre les faits, contre la réalité, et quels outils leur donner pour qu'ils se disent « Oh, on me dit que c'est ça, mais peut-être c'est pas ça. » Et si j'allais voir, et ça leur permettra d'être plus nombreux à croire les fact-checks, et surtout ça leur permettra de aussi comprendre la crédibilité du travail des fact-checkers, parce qu'eux-mêmes, seront essayés à cet exercice. Et je crois que maintenant, il ne faut pas qu'ils restent limités aux journalistes, il faut qu'ils deviennent vraiment l'affaire de tout le monde. Parce qu'on a quand même envie de savoir de la réalité des choses, et non pas les élucubrations des X ou Y. Donc voilà, donc pour moi, c'est là où Defacto va avoir un énorme rôle à jouer. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à toute la partie. Comprendre, qu'on a pu comprendre, pour aider les gens. Un complément peut-être à la réponse de Christine, Virginie, Dominique. C'est vrai, qu'est-ce qui est faux. Peut-être, mais vraiment dans l'esprit de ce que vient de dire Christine, parfois, il y a évidemment tous les cas que les fact-checkers étudient bien, c'est que si la photo est à l'ombre, et pas dans la banlieue parisienne, là on peut factuellement vérifier que la référence ne correspond pas à la réalité. Mais on sait qu'une partie du brouillage, du désordre et des problèmes informationnels qu'on a sont dans des zones beaucoup plus intermédiaires dans lesquelles, on le sait, il y a beaucoup de faits qui sont le produit de construction sociale. Même un chiffre statistique, c'est l'objet d'une méthode statistique complexe. On peut en discuter les paramètres, les modes d'enregistrement, etc. Et avoir un débat sur l'objectivation statistique, qui est un fait, mais qui est un fait qui dépend d'une méthode d'investigation particulière qui a été mise en place par les statisticiens et qui peut du coup être contestée. Du coup, beaucoup de débats sont en fait des interprétations à propos des faits. Et là, je pense qu'on doit avoir une approche, alors qu'on a en sciences sociales une approche qui est plus continuiste, c'est-à-dire de se dire, il y a des interprétations qui sont plus solides que d'autres. Et je crois que le cœur du travail collectif qu'on cherche à faire, c'est de dire, il y a beaucoup d'interprétations, mais il y en a qui tiennent mieux la route, parce qu'elles s'appuient sur des méthodologies, sur des techniques d'enquête, sur des réseaux d'expertise, sur des laboratoires de recherche, sur des méthodes qu'on peut éviter, sur une transparence dans la manière dont on a produit telle interprétation à partir de la réalité,
qui est plus solide que d'autres interprétations qui font des chaînages un petit peu bizarres, qui associent des événements sans qu'on voit la relation entre les événements qui ont été associés, qui n'entrent pas dans la méthodologie d'enquête des statistiques, etc., etc. Donc une partie du débat public, c'est un travail en fait sur une éducation collective aux outils réflexifs qui nous permettent de faire des interprétations plus solides que d'autres. Et d'une certaine manière, le travail que font les fact-checkers, c'est de nous donner la brique de base de ça. C'est de nous donner, quand il y a un fait, on l'a vérifié et on peut dire que là, c'est vraiment très solide. Mais il y a aussi des endroits où il faut enquêter sur la manière dont on va interpréter tel ou tel phénomène du réel à partir de méthodologie, de confiance dans des institutions, dans des experts, dans un consensus qui est apparu ou dans une voix qui est absolument isolée et solitaire pour dire quelque chose. Et c'est pour ça que l'éducation est si importante, parce que comment savoir qu'une interprétation est plus solide qu'une autre? Il faut enquêter, il faut avoir un esprit critique, il faut prendre le monde avec distance, il faut se demander chaque fois qu'on nous dit quelque chose sur le monde, comment cette chose qu'on nous dit à propos du monde, elle s'appuie sur un réseau d'experts, d'interprètes, de méthodes, etc., qui permettent de le rendre plus solide. Voilà, c'est pour ça que parfois, à l'opposition, le vrai, le faux, moi j'aime bien opposer l'idée qu'il y a une gradation des interprétations solides et des interprétations qui ne sont vraiment pas solides du tout et qui ne tiennent pas la route. Oui, et puis peut-être pour compléter, il y a une boussole qui est qui me parle. Et quelle est son intention quand on accède à une information? Alors ça paraît beaucoup plus basique que ce que Dominique Cardon vient d'expliquer, mais je pense que ce qui caractérise la désinformation, c'est la volonté de tromper. En français, infox, c'est information et intoxication. Donc il y a vraiment cette volonté de tromper, de manipuler, et ça peut être une boussole pour faire le tri. Et comme on est dans un moment aussi médiatique, de plus en plus, où il y a énormément d'opinions qui s'expriment, c'est aussi très difficile de distinguer, de faire le tri. Mais je crois que l'erreur journalistique, elle est commune, elle est normale, d'ailleurs tout le monde peut se tromper, mais ça ne peut pas être mis sur le même plan que la volonté délibérée de manipuler une opinion. Et je trouve que c'est une boussole. Et je vous invite aussi, c'est le moment d'autopromo, mais à aller sur le site du CLENI, parce que tout ce que le CLENI et le réseau Canopé ont produit autour de l'expo Fake News, il y a notamment une typologie du faux, les mille nuances du faux, et ça permet aussi, de manière assez pédagogique, d'entrer dans ces différentes typologies des fausses informations. Alors, une information factuelle, c'est que déjà 14h. 14h57, on approche de la fin de cette table ronde. Merci beaucoup pour ce débat, la qualité des échanges et pour conclure ce débat, je vais redonner la parole à Marie-Caroline Bissière. Et le micro a disparu, il est juste derrière. Moi, vous avez suivi avec beaucoup d'attention et de passion, je crois, comme moi. Et la question que je me pose à la fin de vos propos, elle est liée à l'émotion dans cet accès à l'information. Je crois peut-être que ce qui donne une place particulière dans le débat démocratique aujourd'hui, dans tout ce qui est de l'information à ces fake news, c'est leur capacité à créer de l'émotion, à susciter de l'émotion, donc à être partagée. L'exemple que c'était Virginie sur les 65 ans qui sont en fait, combien sommes-nous à recevoir sur nos fils de famille ce type d'informations partagées par les petits anciens dans nos familles, parce qu'elles suscitent de l'émotion, qu'elles suscitent du lien et qu'elles ont donc une capacité à émerger dans ce flux d'informations dont nous sommes les cibles et dans lesquelles nous vivons désormais. Alors, c'est pas du tout une question. Chaîne d'infos en conflit utilise l'émotion aussi comme une limite impériale
Et la deuxième réflexion que je me fais à cela, c'est sur la sobriété du milieu. Est-ce que si précisément des informations, des fausses informations capables de susciter l'émotion arrivent à émerger du flux, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité dans notre éducation en matière d'information à former à cette sobriété par rapport aux outils de diffusion d'information que nous utilisons? Et est-ce que peut-être la piste à suivre, aussi bien en termes d'information, de sensibilisation, le canal de diffusion, c'est celle de la sobriété numérique qui nous engage tous, en termes de responsabilité, qui est très difficile, je crois, à accomplir, qui pourrait être une forme aussi de réponse, peut-être une plus grande sobriété limiterait l'extrême visibilité de ces fausses informations qui s'appuient sur l'émotion dans un flux continu. Merci beaucoup. Merci Christine, merci Dominique, merci Virginie, merci Denis, merci à toutes et à tous.